Bonjour les amis, bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, nous allons écouter Laura Bretagne. Alors, il y a 5 mois, je vous la présentais dans un magnifique morceau qui s'appelle Adagio, qui est une chanson originale de Lara Fabian. Alors, même si la musique n'est pas d'elle, mais les paroles sur cette chanson sont de Lara Fabian. Et donc Laura avait repris cette chanson d'une façon absolument magnifique. Et puis j'ai découvert sur YouTube que Laura et Lara avaient chanté ensemble à Bucarest en septembre 2023, donc il y a allez, un peu plus de 6 mois, cette chanson précisément. Alors on connaît la puissance de la voix de Lara Fabian. Également la puissance de la voix de Laura Bretagne. Voyons donc ce que ça donne. Tout de suite, voilà. Ces deux magnifiques interprètes, Lara et Laura. Alors cette première partie de la chanson est toute en retenue, de la part des deux chanteuses d'ailleurs, hein. Quand on sait à quel point elles peuvent être toutes les deux explosives, là, c'est bien amené, c'est très joli, avec un superbe orchestre derrière. Alors pour vous présenter cette chanson, j'ai testé deux ou trois vidéos qui présentaient ce spectacle. Bon, c'est une prise de son au smartphone, ce n'est pas un retour son à travers la régie son, c'est dommage, mais bon, c'est souvent le cas dans les concerts. On a rarement la version, on va dire, professionnelle, mais une version amateur, mais qui est suffisante la plupart des cas. Bon, voilà, dans les trois versions que j'ai regardées, j'ai retenu celle-ci parce qu'apparemment le son me semblait un peu meilleur. Ça dépend de la place que vous occupez, hein, dans la salle au moment où vous faites cette prise de vue et de vidéo, quoi. Thank you.
Donc, ah, c'est extraordinaire de la part de ces deux chanteuses. Il n'y avait pas vraiment de compétition entre les deux. Et ce sont quand même deux voix différentes, hein, je trouve. Hein. C'est deux voix quand même différentes. Alors, on peut peut-être regretter qu'elles n'aient pas chanté toutes les deux, sauf vers la fin, là, mais toutes les deux en faisant un comment chanter en canon, quoi. Hein. Ou en duo, mais avec des décalages de hauteur de son. Bon, tant pis. Mais ça reste une très belle prestation. Alors, je vois déjà d'ici les pros Laura et les pros Lara. Ça va être la guerre dans les commentaires. Mais n'hésitez pas, lâchez-vous, dites ce que vous pensez de la prestation de ces deux jeunes femmes. Enfin, de cette jeune fille et de cette femme, Lara. Et pour ma part, bah, j'apprécie les deux. Hein. Évidemment, Lara est sur scène depuis bien longtemps déjà. Et elle m'enchante chaque fois qu'elle apparaît. Et là, Laura, c'est une jeune pousse. Hein. C'est une interprète qui est arrivée il y a quelques petites années. Il chante depuis qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Enfin, je crois. Hein. Donc c'est quand même une carrière derrière elle, attention. Hein. Et donc là, bah, elles font jeu égal dans des voix légèrement différentes. Et c'est assez convaincant. Si on avait pu avoir le son un peu plus fort et un peu mieux pris, ça aurait été formidable. Mais bon, voilà. Alors, si vous êtes allé dans ce concert, s'il vous plaît, dites-moi comment ça s'est passé. Dites-moi si vous avez vraiment apprécié ce moment. Et puis, éventuellement, café Laura. Ah, faut que je fasse attention de ne pas me tromper entre Laura et Lara. Ce qu'a fait Laura un peu avant, un peu après, est-ce que c'était le final, est-ce que... Voilà. Dites-moi tout ça, et puis je ne manquerai pas de vous y répondre. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis si vous avez aimé, bien, un petit pouce, et puis un abonnement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce que j'ai déjà posté concernant... Laura, il y a plusieurs vidéos déjà, hein. Et puis l'ensemble de la chaîne, regardez si aussi d'autres chanteurs vous intéressent. Entendu comme ça? Bon. Allez, au plaisir, au revoir.